sable son sang. Maintenant, nous ne sommes plus esclaves, mais nous sommes fils. Et Dieu a mis en nous l'esprit qui crie à la Père. En d'autres termes, nous ne sommes plus redevables à l'ennemi, parce que Dieu nous a rachetés. Parce que je sais une chose, que tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Lorsque la Bible dit tout est accompli, cela veut dire que tout est accompli. My God, quelle grâce. Vraiment, balaya ou balance. Hallelujah.
Jésus, 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 tu es élevé au-dessus. Est-ce que le peuple de Dieu peut le dire avec moi ce soir? Jésus, Jésus, tu es élevé, tu es. Il n'y a que toi qui es élevé ce soir, au-dessus même de nos noms, de nos titres. Oh Jésus, 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 tu es élevé, ah, au-dessus de tout. Encore une fois, il aime tellement quand tu chantes, ça lui fait du bien. Jésus, 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 tu es élevé, au-dessus de tout. Jésus, 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 ah, ce soir je vais oublier tout ce qu'il y a autour de moi pour juste me concentrer sur toi. Élevé. Je dis, c'est le moment de chanter ton amour à Dieu. C'est le moment de dire, je me sens tellement bien dans ta présence. Ah, quand je suis avec toi, plus rien ne compte. Parce que tu m'es tout pour moi, Jésus. Tu es élevé. Au-dessus de tout. Je reconnais, Père, Aïe, qu'il n'y a que toi qui sais me faire du bien. Ce soir, je te bénis. Ce soir, je te lève. Ce soir, je te loue. Ce soir, je t'adore. Amen. Ce soir, je m'associe au sens dans le ciel. Au-dessus de la maladie.
Tu es acclamé au-dessus du problème qui me persécute. Tu es acclamé. Est-ce que tu peux acclamer le ressuscité? Parce qu'il a la capacité de faire tomber tous les murs qui se dressent devant toi. Woo! Tu es acclamé. La Bible déclare que lorsque les apôtres étaient dans la chambre haute, ils se mirent à parler de nouvelles langues. Le peuple s'est mis à battre des mains et le mur de Jéricho s'entourait et la maladie est tombée dans l'intimité. C'est là que Dieu commence à parler. J'aimerais que tu commences à clamer de façon surnaturelle. Tu commences à clamer de façon spirituelle. Tu commences à clamer. Très bien. Emmène-moi. Très bien. C'est bien quand ça sort de toi. Emmène-moi. Waouh, je vois un peu pas ça fait. Emmène-moi. Très bien. Un peuple assoiffé, emmène-moi. Monte encore plus haut, emmène-moi. Et ma chatte, très bien, emmène-moi. En intimité, emmène-moi. En intimité avec toi, je veux être. En intimité, emmène-moi. Que tu as venu avec, mais je sais que dans l'intimité tout est possible. Je sais que dans les profondeurs de l'intimité de Yeshua Mashiach, il y a quelque chose qui est capable de se passer. Si tu as la foi, tu reçois maintenant. Oh,
Situation. Si seulement tu déchirais, si seulement, oh, si seulement, si seulement. Est-ce que de là où Dieu, tu peux acclamer le Seigneur très fort? Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Est-ce que tu peux donner une offrande d'acclamation à Dieu ce soir? J'aimerais que tous ensemble nous acclamons, nous ovationnons Dieu, nous élevons Dieu par nos acclamations, nous rendons gloire à Dieu et disons qu'il est maître de nos vies ce soir alors que nous sommes en train de l'acclamer ce soir. C'est au nom de Jésus que nous avons acclamé Jésus. Amen. J'aimerais que sur la colline des chantres et de l'accueil, tu vas prendre ton offrande, tu vas commencer à prier pour ton offrande afin de pouvoir venir offrir ton offrande à Dieu. J'aimerais que tu prennes ton offrande dans ta main droite et que tu commences à prier pour ton offrande. J'aimerais que tu commences à déclarer des paroles sur ton offrande afin que ton offrande puisse s'appeler vie ce soir. Afin que ton offrande s'appelle bénédiction ce soir. Je lis 1, je lis 2, je lis 3. Prie pour ton offrande, attrape ton offrande dans ta main droite et commence à déclarer des paroles sur ton offrande. Commence à bénir ton offrande. Commence à proclamer des paroles sur ton offrande afin que cette offrande que tu viens offrir à Dieu s'appelle vie, s'appelle bénédiction, s'appelle faveur, s'appelle grâce. Élève ta voix, commence à déclarer cela, commence à prophétiser sur ton offrande, commence à proclamer des paroles sur ton offrande afin que ton offrande monte à Dieu comme étant un parfum de bonne odeur, afin que ton offrande monte à l'éternel Dieu comme étant un parfum de bonne odeur, afin que cela t'accorde la vie. Père, toi le Dieu de vie, le Dieu de bonté, nous déclarons sur nos offrandes que cela s'appelle vie, cela s'appelle bénédiction, cela s'appelle faveur, cela s'appelle bénédiction. C'est au nom de Jésus que nous avons prié, que nous tous nous disons Amen. Sur la conduite de l'accueil et des chantres, vous allez avancer et déposer vos offrandes.